Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 Alléluia, oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Allez, levez vos lèvres, le roi des rois fasse son entrée. Faites élever vos lettres, et le roi de roi faire son entre. Alléluia, et alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, et alléluia, oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Élevez vos lèvres, que le roi des rois fasse son entrée. Faites élever soleil, que le roi des rois fasse son entrée. Alléluia, et alléluia, Hosanna. 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 Alléluia, et alléluia, oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Oh, alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, alléluia, Hosanna. 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 Élevez vos lèvres, que le roi des rois fasse son entrée. Élevez vos lèvres, que le roi des rois fasse son entrée. Alléluia, et alléluia, Hosanna. Alléluia, et alléluia, Hosanna. Alléluia, et alléluia, Hosanna. Alléluia, et alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia. Je le loue avec ma voix. 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 Je le loue avec ma voix.
avec ma voix. Je le loue 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 avec ma voix. S'il démarque la voix. Je le loue avec ma voix. Oh, s'il démarque la main. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma S'il me manque la main, s'il me manque la main, je le loue avec ma voix, 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 je le loue avec ma voix. Je le loue avec le mec, je le loue avec mes pieds, je le loue avec mon âme, je le loue avec la main, je le loue avec la main, je le loue avec la main, je le loue la main, je le loue la main, je le loue la main, si te manque la mer, je le loue avec ma voix, 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 il ne manque pas, je le loue avec mes pieds, il ne manque pas, je le loue avec mes pieds, il ne manque pas, je le loue avec mon âme. Je le loue là-haut. S'il me manque la main. Je le loue là-haut. S'il me manque la main. Je le loue là-haut. S'il me manque la main. Je le loue là-haut. S'il me manque la main. Je le loue là-haut. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je vois d'autres qui sont en train de marcher, même pour vous, vous même, il y a problème. Aïe! Bien aimé, c'est dans la somme qu'on doit, il n'y a pas d'instrument. Alléluia! Amen. Pardonnez, que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Mais ouvrons la bouche pour adorer Jésus. Amen! Alléluia! Amen! On a, il n'y a pas soumis au milieu de nous ici, tout le monde parle. Ou bien, on pardonne. Alléluia! Amen! Amen. Amen. Jéricho, 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 Jéricho. Jéricho, 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 aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, fais que tu vois de nouveau. Ah, Jéricho, Seigneur, à prier. Ah, Jéricho, aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur Jésus, fais que tu vois de nouveau. Ah, Jéricho, Jéricho, Jéricho,
Jésus revient. Ah, Jésus revient. Ah, Jésus revient. Seigneur, ce qui t'a brillé. Ah, Jéricho. Aide de moi, Seigneur Jésus. Aide de moi. Ah, Jéricho, Jéricho, ah, Jéricho, ah, Jéricho, Jéricho, ah, 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 Jéricho, Seigneur Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a
n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. J'ai longtemps marché, 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 sans marché. J'ai fouillé en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Yeah.
Amen.
Il est seul, si tu veux, il est seul.
Psaume 22 à partir du verset 4. J'ai eu la parole de Dieu au nom de Jésus. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges. D'Israël. En toi, c'est. Oh, c'est bon. On reprend. Ok. Je reprends. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges. D'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Juste encore pour vous rappeler, au peuple de Dieu, quel est l'important de la louange. Alléluia. Amen. Parce qu'à chaque fois qu'on entend commencer, lorsqu'on débute, on est toujours obligé de parler. Aujourd'hui, c'est la soeur même Esther qui est interpellée encore. Puis dit, ah, elle entend les chanter, il n'y a personne pour l'accompagner. Bien aimé, la louange qu'on donne là, ce n'est pas un homme. Si tu t'es déplacé jusqu'en venu ici, c'est pour adorer Dieu, c'est pour le louer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour le louer. Mais dans la louange, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la louange. Alléluia. Parce que lorsqu'on entend de louer, lorsqu'on entend d'adorer, je vois certaines personnes qui sont arrêtées, même pour applaudir, c'est difficile. On est obligé d'aller les chercher pour qu'ils viennent danser pour la gloire de leur Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas du tout normal. On va lire encore Actes 16 à partir du verset 25. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Au coup, ils se sont fus à grand tremblement. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient.
On continue. Verset 26. D'où? D'où? Verset 26. Tout à coup. Tout à coup. Il se fut. Il se fut. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. En sorte que. En sorte que. Les fondements. Les fondements. De la prison. De la prison. Fut ébranlé. Fut ébranlé. Au même instant. Au même instant. Toutes les portes. Toutes les portes. S'ouvrit. S'ouvrit. Et les liens. Et les liens. De tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ça d'abord c'est sûr. Ça, d'abord, c'est sur le plan physique. Mais ici, nous parlons sur le thème, sur le plan spirituel. C'est pour dire quoi? Lorsque tu vas louer Dieu, lorsque tu vas venir l'adorer, tu vas danser pour lui. Ou on n'a même pas besoin de te dire de venir danser. Il ne sait pas des choses spirituelles. Alléluia. Il ne sait pas des choses spirituelles de telle sorte que toi, tu as l'habitude de faire ça. Tu n'auras pas besoin d'aller à la délivrance. Tu n'auras même pas besoin d'appeler un homme de Dieu pour prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, parce que dans la louange, il y a déjà tout. Il y a déjà la délivrance. Il y a déjà aussi les grâces au corps qui descendent. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est pour vous interpeller un peu sur ça encore. Parce que chaque fois, on entend de rappeler ça. Et lorsque même on a du mal à danser, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un esprit d'assoupissement, lourdeur dedans. Alléluia. Amen. Il y a un esprit de lourdeur. Alléluia. Amen. Donc, que chacun de nous fasse un effort. Parce que lorsque nous tous on se met à danser maintenant, l'esprit de leader n'a plus sa place en nous. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il nous fortifie. Amen. Qu'il nous fortifie encore. Amen. Celui-là qui nous a appelé une foi commune. Amen. Celui-là qui est Dieu. Amen. Éternellement Dieu. Amen. Amen. Celui-là que nous sommes venus adorer et louer encore ce jour. Amen. Parce que bien aimé, lorsque tu viens ici, je dis en même temps, ce n'est pas venu saluer maman Anne. Alléluia. Ce n'est pas venu pour venir saluer maman Anne que nous venons ici chaque jour. Alléluia. Même s'il faut que souvent on vienne, on se rende visite. Mais c'est pour venir adorer et pour venir louer Dieu. Alléluia. Donc lorsqu'on vient, il faut qu'on soit complètement disposé du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Et comme je le disais tout de suite, que la parole de Dieu dit, le Seigneur siège dans la louange et dans l'adoration. Mais ce n'est pas toute personne qui peut le louer et l'adorer. Il y a un état. Tu vois? C'est pas si je veux comprendre. Il y a un état d'âme d'abord avant de le louer et de l'adorer. C'est quoi d'abord? C'est de vivre dans la sanctification. Alléluia. Parce que lorsque tu n'es pas saint, lorsque tu ne vis pas dans la sanctification, dans ce cas, l'adoration et la louange n'est pas un parfum d'une bonne odeur. Alléluia. C'est à cause de ça que le Seigneur nous demande à chaque moment de vivre dans la sanctification, de vivre dans la sainteté. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes charnels. Je suis charnel, tu es charnel. Ce qui fait jusqu'à chaque jour, à chaque heure, nous commettons ce qu'on appelle péché. Alléluia. Amen. Souvent, mais ça nous fait mal. Souvent, tu n'as pas envie de mentir. Ils vont te parler un temps. Par une intention, tu commences à mentir. Bien aimé. Mais pour cela, nous ne devons pas trop nous plaindre parce que quoi, nous avons encore la grâce, nous avons encore l'opportunité de venir encore à Christ. Parce que sa parole même déclare, c'est si tu dis que tu n'es pas pécheur, tu le fais menteur. Si toi, frère, tu dis que tu n'as pas d'iniquité, tu es sans péché, bien-aimé. Laisse-moi te dire que tu es déjà menteur et tu fais Christ encore menteur. Et tu es en train de nier encore l'œuvre de la croix de par cela. C'est pourquoi, bien-aimé, comme la parole de Dieu déclare, il est tellement amour, il est tellement miséricordieux que lui-même il a déclaré que si le peuple aussi qui est invoqué mon nom, quand il dit le peuple aussi qui est invoqué mon nom, c'est le peuple qui se force de vivre dans la sanctification. Parce que si tu ne te forces pas de vivre dans la sanctification, dans ce cas tu n'es pas encore appelé son peuple. Et parce que toi, moi, nous nous efforçons de vivre dans la sanctification, que nous sommes appelés son peuple. Il dit, si tu t'humilies, si tu reconnais tes fautes, tu reconnais tes transgressions, si tu décides aussi de les abandonner, le Seigneur te pardonnera. C'est pas bien aimé encore. Comme le Seigneur, c'est celui qui sonde le cœur. Tu vas déchirer ton cœur. Lorsque tu déchires ton cœur, ça veut dire que tu vas parler du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton âme.
Oui, tu vas regretter amèrement d'abord. Parce que la repentance d'abord, de par la repentance, on parle de regret aussi. Tu dois regretter tes péchés. Tu dois regretter encore tes offenses. Tu dois regretter tes iniquités. Lui regretter d'avoir menti. Tu vas regretter d'avoir menti et lui demander pardon. Tu vas même regretter d'avoir volé. Oui. Bien-aimé, parce que le vol ne vient pas de Dieu. Le vol ne vient pas de Dieu. Tu vas regretter, demander pardon à cause de la jalousie. Oui, tu n'as pas envie d'être jaloux. Mais souvent, il y a la jalousie qui entre en toi. À tel point que tu commences à être jalouse de ta soeur. Tu commences à être jaloux de ton frère. Et tout cela, si c'est en ton cœur, bien aimé, la prière ou la louange que tu vas lancer, tu vas donner à Dieu, ne sera pas d'une bonne odeur. Tu vas même demander pardon, bien aimé, à cause de l'orgueil. Car la parole de Dieu déclare que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Oui, il résiste aux orgueilleux. Et c'est à cause de l'orgueil même qu'il a chassé Satan et ses anges du ciel. Bien-aimé, s'il y a encore de l'orgueil en toi, bien-aimé, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas reconnaître d'abord que tu es orgueilleux et lui demander pardon. Par la suite, lui demander encore de t'aider à ôter cet orgueil. De t'aider à te débarrasser de l'orgueil. Parce que, bien-aimé, celui qui est orgueilleux ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Lui, tu vas lui demander pardon. Tu vas lui demander pardon encore pour ton manque d'amour. Pour le manque d'amour. Car l'amour même est le lien de la perfection. Car l'amour même a accompli toute la loi. Mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas être aussi agréable à Dieu. Oui, le Seigneur a déclaré. Il a dit que David était un homme selon son cœur. Oui, David était un homme selon son cœur. Parce que David, quand tu médites la parole de Dieu, David n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu la mort de ses ennemis. Le contraire, David me pleurait pour ses ennemis. David me pleurait pour ses ennemis. C'est pourquoi tu vas lui demander pardon encore pour ton manque d'amour. Pour toute fois que tu as voulu le malheur de ton frère. Pour toute fois que tu as voulu le malheur de ton frère. Bien aimé, tu vas demander pardon. Tu vas te repentir sincèrement. Demander pardon à Dieu pour toute souillure de ton âme. Pour la colère, pour la colère, pour toute fois que tu t'es mise en colère, pour toute fois même que, oh, tu as préféré faire tes œuvres au lieu des œuvres de l'Éternel, pour toute fois que tu as négligé encore l'œuvre de l'Éternel, tu vas demander pardon. Tu vas lui dire pardon sincèrement. Sincèrement, pardon encore. Oui, pardon pour toute fois que tu as douté de Dieu. Pour toute fois que tu as douté de Dieu. Bien aimé, le doute, c'est un péché. Parce que le Seigneur nous appelle à la foi. Qui parle de foi, parle de la croyance. Qui parle de la croyance, parle de quoi? En ce que tu n'as même pas encore vu. Oui, parce qu'il t'arrive souvent de douter de sa parole. Il arrive souvent de douter peut-être de la prophétie que le Seigneur t'a donnée. Je ne peux pas de ne pas sonder la prophétie. Mais il arrive souvent de douter de la parole de Dieu. Bien aimé, tu vas demander pardon. Tu vas demander pardon pour tout cela. Pardon pour toute désobéissance. Pardon pour toute désobéissance. Toi, enfant, enfant qui désobéit à ses parents. Toi qui es enfant qui a désobéi à tes parents. Qui n'écoute pas la voix de tes parents. Qui te rébelle contre tes parents. Bien aimé, c'est le moment de te repentir encore. C'est le moment de te repentir et demander pardon sincèrement à Dieu. Demander sincèrement pardon à Dieu, bien aimé. Tu vas lui demander pardon sincèrement. Bien aimé, tu vas déchirer ton cœur et lui demander pardon. Par toi-même, bien aimé. Par toi-même et justifie-toi. Bien aimé, justifie-toi. Mesdames, la parole de Dieu déclare aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc si on ne réclame pas le sang de l'agneau, le péché ne peut pas être pardonné. C'est pourquoi tu vas réclamer encore son sang.
Tu dois réclamer le sang de Jésus. Tu dois réclamer le sang de Jésus pour te laver. Tu dois dire au Seigneur de venir te purifier encore ce soir. Dis-moi au Seigneur de venir encore se purifier ce soir. Dis-moi au Seigneur de venir te laver de son sang. Qu'il vient nettoyer tout ton être. Qu'il vient te sanctifier. Qu'il vient te justifier. Qu'il vient laver ton corps. Qu'il vient laver ton corps par son sang. Qu'il vient laver ton âme par ton sang. Qu'il vient aussi laver ton esprit par ton sang. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus. Bien-aimé, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame ce sang pour te purifier. Réclame ce sang pour te purifier. Et qu'il vienne te nettoyer. Qu'il vienne te justifier. Bien-aimé, commence aussi à boire le sang de Jésus. 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 Et pendant que tu bois, bien-aimé, tu peux te tenir debout. Tu peux te lever pendant que tu bois le sang de Jésus. Pendant que tu bois le sang de Jésus, tu peux te tenir debout. Tu peux te lever et continuer à boire le sang de Jésus. Continue à réclamer le sang de Jésus. Continue à réclamer le sang de Jésus. Continue à réclamer le sang de Jésus. Tu vas continuer à réclamer son sang. Tu vas boire le sang de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus. 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 Chess, verset 15 au verset 16, que le frère Pierre va lire. Ésaïe 66, verset 15 à verset 16. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus. Ésaïe 66, à partir du verset 15. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme le tourbillon, sont comme le tourbillon. Il convertit sa colère. Alléluia. Amen. On est embrasé. Ok, continue. Continue. Embrasé et ses menaces enflammées de feu. Et ces menaces enflammées de feu. Alléluia. Amen. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Amen. C'est par son glaive qui châtie toute chair. C'est par son glaive qui châtie toute chair. Et ce que tuera l'Éternel. Et ce que tuera l'Éternel. Seront en grand nombre. Sera en grand nombre. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous ne sommes pas sans ignorer que chaque jour nous sommes attaqués. Chaque jour, chaque heure. Bien aimé, tu vas beau combattre. Tant que tu es sur ta tête, ils vont plus t'attaquer. Alléluia. Donc, ce que nous devons faire aussi, nous devons tous nous les attaquer. Alléluia. Mais les attaquer par quoi? Par la parole de Dieu. Parce que le Seigneur nous donne ses armes. Alléluia. Et bien évidemment, il a dit dans Luc 10, verset 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce pouvoir-là, c'est en son nom. C'est-à-dire, on commande en son nom. Et lorsque tu crois à ce que tu dis,
cela s'accomplisse mutuellement. Alléluia. C'est pourquoi tu vas aller contre maintenant toutes ces puissances des ténèbres qui rôdent autour de toi. Parce que chacun de nous, qui sont tellement ordonnés, chacun de nous a des puissances, a des esprits méchants qui rôdent autour de toi, qui sont censés te surveiller, qui sont censés te faire descendre. Alléluia. Tu vas réclamer maintenant l'arme de combat, le feu et le glaive de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu vas dire Père, 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 voici, voici, tu m'as remis le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien, et rien, et surtout, la puissance de l'ennemi, de l'ennemi, et rien, et rien, ne pourra me nuire, me nuire, me nuire. C'est pourquoi, Père, Père, toi, toi, qui es le Dieu de vaillance, qui es le Dieu de vaillance, pareil, 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 toute montagne, toute montagne, qui s'élève au devant de moi, qui s'élève au devant de moi, pareil, avec ton feu, ton glaive, avec ton feu, ton glaive, et quand je parle, ça s'appasse, 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 tu l'as conçu, 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 tu l'as conçu. Chapitre 18, à partir du verset 41 jusqu'au verset 43, je lis la parole de Dieu avec respect. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient. Il crie. Et personne pour les sauver. Et personne pour les sauver. Il crie à l'Éternel. Il crie à l'Éternel. Et il ne leur répond pas. Et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule dans la boue des rues. Je les foule dans la boue des rues. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui est prêt encore? Amen. Alléluia. Amen. Tu m'as dit Père. 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 Voici, voici, ils se sont élevés, contre moi, l'enfant, l'enfant, de ma famille, paternelle, et de ma famille, maternelle, mais, tu m'as remis, le pouvoir, marcher sur eux, de marcher, de les vaincre, au nom de Jésus, c'est pourquoi, maintenant, maintenant, je fais contre eux, au nom de Jésus.
Tu vas commencer à lever ta voix pour dire merci à ton Dieu. Tu vas commencer à bénir son Saint-Nom. Tu vas commencer à le bénir. Tu vas commencer à élever son nom. Bénis le nom de Elohim. Tu vas commencer à élever le nom de Dieu vivant. Car c'est lui qui est Dieu. Oui, il est Dieu. C'est celui-là qui comprend pour nous. Bien-aimé, on ne peut pas savoir combien le Seigneur nous délivre. On ne peut pas savoir comment le Seigneur nous délivre. On ne peut pas savoir comment il est. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu, vous pouvez vous asseoir. Tout à l'heure, on va se nourrir un peu. Alléluia. Comme la parole de Dieu déclare, que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui vient de l'Éternel. Alléluia. Parce que, bien aimé, il est vrai qu'on a besoin d'onction, on a besoin de feu, de délivrance à ce moment, le Dieu. Mais le plus important, c'est la parole. Ouais, c'est par la parole que nous pouvons nourrir. Alléluia. Et sans parole, nous ne pouvons pas. Si on ne connaît pas la parole, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est pourquoi notre bien-aimé frère, Abraham, tout à l'heure, va nous enseigner, va nous donner la parole de Dieu encore. Alléluia. Amen. C'est par lui, le Seigneur va a décider de parler encore aujourd'hui à son peuple. Alléluia. Amen. Donc, que chacun soit attentif à cette parole. Encore. Mais je voudrais ajouter quelque chose quand même, une exhortation, un petit tour rapidement. Parce que moi-même, il arrive souvent. J'aimerais rappeler à tout un chacun que vraiment nous sommes dans une église de sanctification. C'est vraiment difficile pour tout un chacun de nous. Parce que chacun de nous traverse vraiment des situations. Il est souvent même difficile même d'aller expliquer un frère. Parce que ce frère même auquel tu dois expliquer, lui-même il traverse cette situation. Alléluia. Amen. Mais je suis certaine
Par rapport aux églises frères qui sont dehors, aux églises sœurs qui sont dehors, il n'y a personne ici que le Seigneur ne se révèle pas. Alléluia. Amen. Je peux le dire en vérité, parce que lorsque moi j'étais un peu, j'ai tourné un peu partout, même si ce n'est pas beaucoup de catholiques, tout ça, de la manière le Seigneur nous parle aujourd'hui, non, je ne voyais pas ça là-bas. Il est difficile, mais c'est pour dire l'été. On n'a qu'à tenir que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Qui nous fortifie. Si c'est difficile, si c'est tout, si les choses sont compliquées, essayez de vous approcher, de nous approcher. Chacun approche son frère. Mais dans, enfin, dans l'assemblée des saints, il ne doit pas avoir de sournoisie. Ce qu'on appelle sournoisie du monde, tu as caché. Si tu as caché, ce n'est pas bon pour toi. Alléluia. Amen. Si tu as caché, ce n'est pas bon pour toi. Alléluia. Donc il faut dire tes problèmes afin que ce dernier lui peut avoir la solution de tes problèmes. Il peut te remonter. Alléluia. Ça m'arrive souvent. Quand on trouve le frère Emmanuel, le frère Abraham, en cause et puis bon, on se remonte. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, on va s'élever pour prier pour la parole et confier l'homme de Dieu. Père, nous voulons te libérer. Nous te magnifions. Les choses encore au Dieu. Merci. Nous te disons merci encore. Oui, Père, c'est le moment de merci pour tes paroles. Merci pour le don. Oh, Père, utilise ton serviteur. Oh, Dieu, le ciel, le cessez maintenant. Que tu le puissant. Ouvre ton intelligent. Afin que le Seigneur te fasse un cœur. Que le cœur. Que la sainte tête fasse le silence. Que ton esprit soit le. Que toute distraction se fasse, que le voile de l'ignorance tombe. Oh Père, que ce soit une sémence. Nous faisons le bien pour nous. Amen. Alléluia. 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 Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Mes amis, c'est pas facile. Mais avec Jésus, c'est facile. Avec la chair, c'est pas facile. Mais avec l'esprit, c'est facile. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur nous fortifie tous. Amen. Bien-aimés, ce soir, le terme de notre enseignement, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. L'obéissance à qui? À Dieu. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Notre test de base, c'est Samuel, 1 Samuel 2, 1 Samuel, 1 Samuel 15, verset 22. Alléluia. L'homme de Dieu, Jérémie va nous prendre 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Vas-y, Seigneur. Samuel dit. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes? Est-ce que l'Éternel trouve plaisir à les sacrifices? Est-ce que le Seigneur Jésus trouve du plaisir quand on égorge les moutons, on égorge les bœufs? Ou tu viens, tu dis non, voici poulet, j'égorge pour l'Éternel. Est-ce qu'il trouve plaisir à ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire ici, est-ce que le Seigneur trouve plaisir à ça? Il ne trouve pas plaisir à ça. Mais qu'est-ce qu'il trouve plaisir, serviteur de Dieu? Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Donc Dieu parle. Si Samuel dit, dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, c'est que Dieu parle. Continue. Voici l'obéissance. Voici l'obéissance. Vaut mieux que le sacrifice. Samuel dit, l'obéissance là vaut mieux que le sacrifice. Obéir à Dieu vaut mieux, obéir à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Oui. Et l'observation de sa parole. L'observation de sa parole. Vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse, serviteur de Dieu. Amen. Tu vas prendre Matthieu 7, verset 21. Quelqu'un va comprendre pourquoi le Seigneur dit obéissance. Le Seigneur parle d'obéissance. Tu vas comprendre pourquoi le Seigneur parle d'obéissance. Matthieu 7, verset 21. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia, vas-y. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ça dit on est ici. Raison pour laquelle le Seigneur pouvait dire dans Somme. Que dans l'assemblée des saints, il connaît la voix des méchants.
C'est-à-dire quand on lève, nous tous on lève notre voix comme ça. Seigneur Jésus, je t'aime. Il est là-bas, il sait que toi, tu n'es pas de lui. Vérité. Il sait. Alléluia. Amen. Donc dans l'assemblée des saints, ceux qui font semblant, le Seigneur sait. Ceux qui sont dans la sorcellerie, le Seigneur sait. Ceux qui n'aiment pas leurs frères, leurs soeurs, le Seigneur sait. Continue. N'entrerons pas tous dans le royaume des cieux. Il dit, ceux-là, qui crient au bout de leurs lèvres, wouah, c'est pas eux tous qui vont rentrer. Mais celui-là seul. Celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a une volonté à faire. Alléluia. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Il y a quelque chose qu'on doit observer. Il y a quelque chose qu'on doit pratiquer. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Deutéronome 28, verset 1. Donc venir à Christ n'est pas venir alléluia, louer l'agneau, alléluia, et puis on s'en va et foutu. C'est pas ça seulement. Donc il y a quelque chose qu'on doit faire. Alléluia. Quelle est la chose qu'on doit faire? Deutéronome 28, verset 1. Je lis la parole de Dieu à respect. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Regarde ce que ton Dieu te dit. Si tu obéis à la voix de l'Éternel. Ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Il dit quoi? En observant. Et en mettant en pratique. Et en mettant en pratique. Ça dit, tu dois observer. Et tu mets en pratique. En mettant en pratique, c'est quoi? Ton ancienne vie que tu vivais là. Comme tu as laissé. Tu reviens maintenant te conformer à la parole de Dieu et marcher maintenant. C'est comme ça. Il dit, en mettant en pratique. Ça dit, tu as lu quelque chose. Le Seigneur dit dans sa parole que de ne pas mettre les dieux étrangers. Je prends un exemple. De ne pas mettre les dieux étrangers sur nous. Tu as vu. Qu'est-ce que tu fais? Comme il a dit ça. Satan tient. Jésus vient. C'est comme ça. Amen. Parce que tu as vu. Tu as vu, c'est écrit. Donc, tu obéis. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. Tu as vu, c'est écrit. Noir sur blanc, toi-même tu as vu. Avant tu ne savais pas, mais maintenant tu as vu. Tu obéis. Tous ces commandements que je te prescris tout aujourd'hui. Est-ce qu'il a dit un? Tout. Il a dit deux? Tout. Il a dit trois? Tout. Il dit tous ces commandements, de Genèse à Apocalypse. Aujourd'hui, d'autres disent que c'est Paul qui a écrit. C'est quoi Dieu qui a écrit? Celui se lève, il dit, Kakou Philippe, moi, il écrit pour moi. Comme Paul a écrit pour lui, là, moi aussi, il a écrit pour moi. Alors que la parole de Dieu dit, si tu retranches, ou tu ajoutes, que tu sois maudit. Alléluia. Amen. Peut-être qu'ils n'ont pas encore lu ce passage-là. Ils sautent. J'en lis, mais ils ont Alléluia. Alléluia. La Bible dit, c'est cette parole que nous lisons là, s'il y a un ange qui vient te dire que cette parole là, c'est pas ça, c'est ce que moi je te donne là, qu'il soit maudit. Mais il y a d'autres qui sont là qui disent qu'ils ont reçu pour eux là, c'est l'ange qui les a donné. Alléluia. Mais on n'est pas venu pour ça aujourd'hui là. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On est là pour l'obéissance. Il dit, si tu mets en pratique, lis ce petit côté-là, mets en pratique et puis quoi encore, observation. En observant et en mettant en pratique. Il dit, en observant et en mettant en pratique. Tous ces commandements. Il dit, tous ces commandements. Que je te précise aujourd'hui. Ça dit, le jour que tu as entendu, tu as compris la sainte doctrine. Où ils ont dit, tu étais dans ta maison. Où tu étais en train de regarder sur YouTube. J'ai vu, Larissa a dit, j'étais en enfer. J'ai vu ceux qui ont porté beaucoup d'oreilles. Ah, ceux qui étaient dans Colan aussi, ils étaient là. Ceux qui étaient dans pantalon, talon là, ils étaient là. C'est ça, on dit obéissance à la parole de Dieu.
Parce que tout ce que tu étais en train d'entendre est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est écrit. L'obéissance, c'est ça. L'obéissance, là, c'est pas à un homme, mais c'est à la parole de Dieu. Alléluia. Laver la tenue de ton pasteur n'est pas en train d'obéir à Dieu, mais tu es en train d'obéir à un homme. Balayer chez le pasteur, tu n'es pas en train d'obéir à Dieu, mais tu es en train d'obéir à un homme. Alléluia. Amen. Mais quand tu es en train de vivre la sanctification, tu es en train d'obéir à Dieu. Quand tu es en train de partir pour évangéliser sur pluie, sur soleil, tu es en train d'obéir à Dieu. Parce qu'il t'a dit, allez et fais toutes les nations mes disciples et baptisez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc quand toi tu t'en vas là, tu as obéi à ça. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on se lève, on dit on est chrétien, mais est-ce qu'on obéit à Dieu? Est-ce qu'on obéit à sa parole? Déjà même les gens que le Seigneur nous a établis au devant de nous, que le Seigneur parle à travers eux, quand ils donnent des programmes dans l'église, il n'y a pas d'obéissance. Je parle moi-même, je suis dedans. Il n'y a pas d'obéissance. On dit demain, on va évangéliser au carrefour du marché. Demain là, il y a médité 10 versets, ça y est là, demain là, le monde est demain à chaud. Matin, on ne te voit pas. Alors que tu as parlé, la parole, quand ça sort, ça doit s'accomplir. Mais pour toi, quand ça sort, ça ne s'accomplit pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Parce que obéir à Dieu, c'est de faire sa volonté. Obéir à Dieu, c'est de faire sa volonté, bien-aimé. Je vais poser la question à maman. Maman, quand tu dis quelque chose à ton enfant, et que ton enfant ne fait pas, quel est le sentiment que tu ressens? Quand tu dis à ton enfant que moi je ne veux pas que tu marches avec ce monsieur-là, et que tu vois ton enfant en train de marcher avec lui, quel est le sentiment que tu ressens? C'est la même chose là, Jésus ressent. C'est la même chose là. Quand on n'est pas obéissant à Dieu, Dieu a mal. Parce que nous sommes ses enfants. Regarde, autrefois, moi, j'ai dit à ma propre honte, j'ai fréquenté les marabouts. Quand le marabout te dit à 24 heures, il faut laver, canari là, tu ne dois pas. Tu regardes l'heure seulement. Tu regardes l'heure. 24 heures, tu te mets nu et tu laves ton canari. Croyant que ça va te protéger, alors que c'est en train de t'envoyer en enfer, sans le savoir. On obéissait à ça. On était attaché à ça. Maintenant, Jésus te dit, dans Éphésiens 5, que autrefois tu étais ténèbre, mais aujourd'hui tu es lumière. On te dit tu es lumière, maintenant tu dis non. Moi, je ne veux plus rien faire. Comme je suis lumière, c'est venu. Si j'étais ténèbre, c'était bon. Ça dit, tu préfères obéir les œuvres des ténèbres que la lumière. Bien aimé, réveillons-nous. Réveillons-nous. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce qu'on a trop fait. Il te dit non, cola rouge, cola blanc. Il faut mettre ça au carrefour. Ah, un peu de braise noire. Matin, quand tu te lèves, il ne faut pas dire bonjour à quelqu'un. Va au carrefour, au premier carrefour du quartier. Dépose 10 francs. Dépose 5 francs.
100 francs. Avant, on ne savait pas. Il y a quand on était en train de faire ça, là, celui qui ramasse là, celui l'a payé, démon l'a payé, sa dot. Raison pour laquelle dans la sainte doctrine, tu ne dois pas prendre l'argent en terre. Donc toi qui es là, qui ramasse encore l'argent en terre. Mmh. J'ai vu. C'est mon doigt où? C'est Dieu. C'est pas Dieu. Hein? C'est pas Dieu. Hein? Je te dis la vérité. Toi qui commences à. Toi qui ramasses encore l'argent, il faut te repentir. Parce que le démon l'a payé ta dot comme ça. Parce que la parole qui dit que ne devrait rien à personne te condamne. Est-ce que c'était pour toi? Mais tu prends pourquoi? C'est toi qui as mis là. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous allons voir un peu. Obéis à Dieu. Quand on dit quelqu'un obéit à Dieu, c'est parce qu'il a. Ça dit. On dit il obéit à Dieu. C'est qu'il y a quelque chose qui est là. Cette chose-là, c'est quoi? Proverbe 10, verset 17. Je lis la parole de Dieu avec respect. Vas-y, serviteur. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande, celui qui oublie la réprimande, s'égare. Bien-aimé, voici ça. On est en Christ. On a nos frères en foi. Peut-être le Seigneur t'a montré quelque chose. Tu vas aller vers lui. Tu vas partir. Ah, frère, le Seigneur me dit, il te dit ça. Ce que tu as fait ici, là, il n'est pas content. Fais ça comme ça. Devant toi, il va dire, j'ai compris. Quand il donne don, c'est toi qui es devenu grand pasteur maintenant. Toi qui es devenu grand prophétesse, quoi. C'est toi qui as venu me dire ce que je dois faire. Dieu passe par un enfant pour parler. Alléluia. Dieu parle à qui il veut. Dieu parle pour que tu puisses bien faire. Donc si tu réprimandes les corrections, tu refuses les corrections, bien aimé, tu ne peux pas aller loin avec le Seigneur. Tu n'es pas en train d'obéir. Tu n'obéis même pas même. Tu désobéis. Parce que le Seigneur peut passer par un enfant pour venir te parler. Les grands serviteurs, les grands servants de Dieu, c'est ceux qui écoutent les enfants. Parce que la Bible dit au bout de ceux qui sont à la mamelle, qui met sa parole. Parce qu'un enfant qui est là, il ne connaît pas ce qu'on appelle péché. Il faut envoyer un petit garçon de maman là. Tu le frappes tout de suite. Il va partir. Après, tu as dit, viens, voilà, biscuit. Tu vas venir, c'est fini. Il a oublié, mais toi, grande personne. Tu penses que ce que tu m'as fait avant, tu as oublié. Tu as vu? C'est pas la même chose. Raison pour laquelle le Seigneur dit, si on ne devient pas comme un enfant, on ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Quand le serviteur parlait tout de suite, il a dit, le manque de pardon. Donc, si ce manque de pardon encore en toi, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas obéir. Alléluia. Amen. On va voir encore. Psaume 128, verset 1. Il y a encore quelque chose que tu dois faire. Si tu n'as pas ça en toi, tu ne peux pas obéir à Dieu. Raison pour laquelle les gens sont assis dans l'église. Et puis ils sont sorciers. Parce qu'ils n'ont pas cette chose-là en eux. Ils s'en foutent. Ils ne croient même pas. Psaume 128, verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. Heureux tout homme qui craint l'Éternel,
Il dit quoi? Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Donc, il y a quelqu'un qu'on doit craindre, Dieu. Il y a la crainte de Dieu. Donc, quelqu'un qui ne craint pas Dieu peut faire facilement le mal. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il ne peut pas obéir à la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, il ne peut pas prendre prophétie. Dès que la prophétie est en train de sortir là, il dit, oh, cela c'est rien encore. Chaque jour, c'est. Donc il y a la crainte de l'Éternel. Quand quelqu'un craint Dieu, quand il y a quelque chose, il dit, vraiment, votre affaire là, c'est l'affaire de Jésus, l'affaire de Dieu. Donc Dieu là, son affaire, c'est délicat. Donc, franchement, on n'a qu'à demander à Dieu d'abord. Parce qu'un enfant qui respecte son papa, avant de prendre une décision, il va demander à son papa d'abord. Il ne va pas aller faire et puis il va dire, papa, c'est bon. Il va demander à son papa, est-ce que ce que je veux aller faire là, est-ce que tu es dedans? Ou bien, tu vois ça? Il va dire, fais. Ou bien, ne fais pas. On appelle ça l'obéissance. Amen. Parce qu'un enfant aussi qui ne connaît pas comment son papa parle, c'est dangereux. Parce que ça va t'amener à obéir, voir de l'autre. Parce qu'il dit, je vous envoie. Mais soyez prudents comme des serpents. C'est pas ce qu'il a dit. Donc l'ennemi rôde. Donc, il faut qu'on apprenne à connaître la voix de notre papa. Comment il parle? Quels sont ses signes? Pour pouvoir obéir à Dieu, il faut avoir une intimité avec le Seigneur Jésus. Peut-être d'autres, quelqu'un peut te dire, moi, le Seigneur me parle quand j'ai tort, dans mes songes. D'autres peuvent te dire, non, moi j'attends Dieu audiblement. Le Seigneur me parle audiblement comme tu es en train de me parler. Quelqu'un peut te dire, non, moi j'attends quand le Seigneur me parle, c'est dans mon cœur. Tu comprends? D'autres peuvent te dire, quand le Seigneur me parle, ce qu'il veut que je fais là, c'est ça qui je reçois ça, ça dit, ça est là. Même je fais comment ça passe pas, c'est ça seulement qui est là. Bien-aimés, apprenons à connaître notre papa. Apprenons à connaître Jésus. Parce que si tu ne connais pas comment ton papa parle là, tu vas faire quelque chose et puis il va dire, mais c'est pas moi, je ne t'ai pas envoyé là-bas. Je ne sais pas même que tu es. Alléluia. Amen. Tu sais, tu es à la maison. Ton papa à 5 km. La voiture que ton papa roule d'habitude. Dès qu'il arrive à 100 mètres de la cour, quand il klaxonne, malgré que tu es dans la cour, mais tu sais que voiture de papa. Tu vas aller, tu vas ouvrir la, tu vas ouvrir la porte pour que la voiture rentre. Mais, tu entends, mais tu ne sais pas si c'est lui, si ce n'est pas lui. Est-ce que tu n'as pas allé ouvrir porte et puis voler ne va pas rentrer? Apprenons à connaître le grand Dieu que nous servons. Parce que c'est très important. Parce qu'il faut que Dieu nous parle chacun de nous. Pour qu'on connaisse. Ah, papa m'a parlé aujourd'hui. Ah, Jésus, sa voix là, c'est comme ça, c'est comme ceci, c'est comme ça. Parce que c'est très important. Alléluia. Amen. Ayons la crainte de Dieu. Ayons beaucoup la crainte de Dieu. Parce que sinon on n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas faire quelque chose. Parce que quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il ne peut pas faire la volonté de Dieu.
Tu ne peux pas faire la volonté de Jésus. Quand on dit on va à gauche, toi, tu es à droite. Quand on dit on est à droite, toi, tu es à gauche. Ayez la crainte de Dieu. Parce que la crainte nous amène à la perfection. Quand quelqu'un a la crainte là, hein, il ne demande pas où. Le Seigneur même, il dit à les anges, il y a mon fils là, il y a longtemps, donnez-lui. Ma fille là, donnez-lui. Mais quand on dit ça, tu dis ça. Quand on dit ça, raisonnement va te tuer. C'est toi qui connais que le pasteur même. C'est lui-même qui est établi sur toi, il n'a pas un mot devant toi. Quand il commence net, il arrache. Il dit non, c'est-à-dire, c'est ça. Et puis ça reste pour toi. Bon, on ne sait pas si c'est toi qui es établi ou bien. Bon, là. Quand on dit bon, ah, va à la délivrance parce qu'il y a quelqu'un. Il dit non. Moi, pourquoi il n'y a pas été à la délivrance? Il a fait quoi? Va à la délivrance. L'obéissance, vaut mieux que le sacrifice. Obéis. Alléluia. Amen. De Genèse à Apocalypse, on a eu des serviteurs de Dieu qui ont été obéissants à Dieu. Nous allons prendre Genèse 12, verset 1 à 5. Genèse 12, verset 5. Verset 1 à 5. Genèse 12. Alléluia. À partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va de ton pays. Va-t'en de ton pays. Mm-hmm. De ta patrie. Mm-hmm. Et de la maison de ton père. Mm-hmm. Dans le pays que je te montrerai. Mm-hmm. Je ferai de toi, une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre, seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham fait quoi? Abraham partit. Est-ce qu'il a posé question? Est-ce qu'il a dit c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce qu'il a demandé? Est-ce que on va aller consulter Dieu? On va, bon, Emmanuel est où? Jean est où? On va aller consulter Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu dit donc d'aller à l'intérieur. Est-ce qu'il a consulté Dieu? Abraham s'est levé. Il est parti. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham partit. Comme l'Éternel lui avait dit. L'Éternel Dieu a dit. Et Lot partit avec lui. Son neveu Lot. Uh-huh. Abraham était âgé de 75 ans. Alléluia. Lorsqu'il était sorti de Charan. Jusqu'au verset 5. Oui. Abraham prit Saraï, sa femme. Et Lot, fils de son frère. Alléluia. Avec tous les biens qu'il possédait. Oui. Et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit. Il a laissé tout cela. Il partit. Pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivaient au pays de Canaan. Uh-huh. Amen. Regarde. Il a obéi à son Dieu. Il a entendu. Dieu lui a dit, quitte ta famille. Va à Canaan. Il ne s'est pas posé question. Il n'a pas dit non, je vais aller demander. Il a prié trois fois. Toi, quand Dieu te dit quelque chose, tu combats l'esprit de Dieu. Satan sort, c'est toi. Alors que Dieu t'a parlé. Tu es en train de faire quelque chose. Quand l'esprit de Dieu te parle, au nom de Jésus, libère ma vie. Libère ma vie. Fais sur toi. Donc, l'esprit de Dieu qui te parle, toi, tu lances feu sur lui. Il faut apprendre à connaître la voix du Seigneur Jésus. Alléluia. C'est très important. Parce que c'est à cause de ça que tu tournes en rond. Souvent, là, le semain est là. Mais tu laisses ça, tu t'en vas faire quelque chose d'autre. Ou Dieu n'est même pas dedans.
Abraham a écouté, il a entendu. Quand il a entendu ça, il a pris son frère Lot. Ils sont partis. Aujourd'hui, là, nous sommes les descendants d'Abraham. Alléluia. Parce qu'il a obéi à Dieu. Il a obéi à Dieu. Donc, c'est pas parce qu'il ne gagnait pas à manger. Ses parents étaient là. Sa famille était là. La Bible a mentionné qu'avec sa richesse, il a resté tout ça là. Mais nous, quand Dieu dit va à l'hôpital, va prier pour les malades, est-ce que c'est Dieu maintenant? Feu sur toi! Feu! You're like... C'est pas. Apprenons à revenir au Seigneur. Apprenons à connaître la voix du Seigneur Jésus. Dieu parle. Dans les moindres choses, tu entends la voix de Dieu, mais tu fais sous l'oreille. Oui. Plusieurs fois, tu es en train de marcher comme ça, et puis le Seigneur est en train de te parler. Et puis l'autre voix te dit, non, hein, c'est pas ça, hein, c'est comme ça. Maintenant, l'autre voix qui parle comme voix du monde, c'est ça que tu veux. Parce que lui, il parle avec arrogance, avec orgueil d'une manière. C'est ça que tu aimes. Mais lui qui vient, il parle doucement, mon fils, ne fais pas ça. Parce que voici. Non, ça c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Mais c'est lui qui te dit non. Ah, regarde cet homme-là, il est beau, non? Ah, lui là. C'est pas lui que tu as vu dans ton rêve là. Ça c'est voix de Dieu. Voilà. Tu as suivi ça là. Tu connais affaire là. Sirabana. Il va t'envoyer à Sirabana. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Matthieu 2, verset 18 à 24. Bien-aimé, c'est un enseignement, on ne va pas finir. On va couper sur l'amour et puis Alléluia. Matthieu 2. Verset 18 à 24. Verset 18 à 24. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Avec respect. On a entendu des cris à Rama. Des pleurs et de grandes lamentations. C'est ça même. Rachel pleure ses enfants. Oh. Elle n'a pas voulu être consolée. C'est ça. Parce qu'ils ne sont plus. Mm-hmm. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. En Égypte. Voici quelqu'un qui a encore obéi à Dieu. Continue. Et dit, lève-toi. Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Prends le petit enfant et sa mère. Et va dans le pays d'Israël. Va dans le pays d'Israël. Car ceux qui ont voulu à ta vie du petit enfant, sont morts. Joseph se leva. Prit le petit enfant. Et sa mère. Et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris que Archélaüs régnait sur la Judée. À la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Amen. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth. Que le Seigneur te pense. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. T'as entendu? Amen. Mais toi, quand Dieu te parle en songe, tu dis que ce n'est pas Dieu. Vas-y, Joseph, Dieu l'a parlé. Parce que c'est le petit, le Dieu qui nous a créés tous là. Les gens cherchaient son étoile. Donc le Seigneur lui a dit non, va. Il est parti. Le même Seigneur s'est révélé à lui. Le Seigneur qui est enfant dans sa mère, c'est le même Seigneur qui lui a parlé en songe. Alléluia. C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que c'était prévu qu'il vienne à la croix de Golgotha pour que toi et moi on vit. Donc, il s'est révélé à lui pour lui dire que ce monsieur qui voulait finir l'enfant là, lui-même là, il est parti. Donc, mais toi, quand Dieu te dit quelque chose, tu dis non, parce que tu ne veux pas obéir à Dieu. Joseph a obéi. Regarde, quand Joseph a appris que Marie était enceinte, il voulait rompre à secret. L'ange est venu, il a dit, ce que tu veux faire, c'est pas bon. L'enfant qui est dans, là, c'est le sauveur. C'est lui qui va venir sauver l'humanité.
Faut rester. Alléluia. Amen. Il a obéi. Mais nous, on ne veut pas obéir à Dieu. On veut faire ce que nous, on veut. Bien aimé, on peut obéir à Dieu. Parce que c'est très important. L'obéissance, là, c'est très important. Parce que quand tu es en train d'obéir à Dieu, ce n'est pas un homme. Il ne faut pas regarder nous. Nous, là. Nous-mêmes, on cherche à obéir à Dieu comme toi, tu veux obéir à Dieu. Si il y a un coin où on nage comme ça dans ça, et puis on dit non, c'est ça. Tu vas nous voir, 6 heures ici là-bas. Ah bon. 4 heures, 16 heures, mais c'est trop. Pendant que vous êtes en train d'aller chercher à manger, moi je suis là-bas. Vous allez me trouver là-bas. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose donc, que nous devons comprendre. On va finir par là. Un homme qui n'a pas l'amour de Dieu ne peut pas obéir à Dieu. Vérité. C'est clair. Un homme qui n'a pas l'amour de Christ ne peut pas obéir à sa parole. Parce que avoir l'amour de Dieu et aimer Dieu, c'est différent. Quand tu t'en vas à l'évangélisation, quand tu courages tes soeurs, et ils disent aime Dieu, non. Hein? Mais quand tu leur donnes la parole, et ils te disent quoi? Mon pasteur ne m'a pas dit ça. Est-ce qu'il te dit que Dieu n'a pas dit ça? Il dit que mon pasteur n'a pas dit ça. Dans cet amour-là, ce n'est pas de ça qu'on parle. Alléluia. Prends 1 Jean 5, verset 3. On va finir par là. On va finir sur l'amour. Prochaine fois, on va continuer. Alléluia. 1 Jean 5, verset 3. 1 Jean 5, verset 3. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Car l'amour de Dieu, consiste à garder ses commandements. Hein? Il dit quoi? L'amour de Dieu, consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand le jour que toi tu as entendu, que bout d'oreille conduit en enfer, mèche conduit en enfer, tu as fait quoi? Hein? Tu as cherché à voir où tu as écrit, non? Quand tu as vu là, tu as fait quoi? Tu as jeté, non? Il dit quoi? L'amour de Dieu consiste à faire quoi? À garder ses commandements. Et le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. L'amour de Dieu, là, ça consiste à garder ses commandements. Donc, quelqu'un qui aime Dieu, qui a l'amour du Christ, il obéit à sa parole. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Quand tu as l'amour du Christ, quand tu vois ton prochain qui est en problème, en même temps, immédiatement, la parole qui va avec ça, la parole là, vient dans ta tête. Aimez-vous les uns les autres comme Christ vous a aimé. Quand tu t'en vas quelque part, tu vois la situation qui est là. En même temps, la parole vient en toi pour attester ce qui est en train de se passer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un. Aujourd'hui, tu as entendu que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance à Dieu, c'est pour de mettre à sa parole en pratique. L'obéissance à Dieu, c'est de marcher conformément à sa parole. L'obéissance à Dieu, c'est pour faire la volonté de Dieu. Et le contraire de ça, Deutéronome 28, verset 15 à 1. Deutéronome 28, verset 15. On va finir par là. Deutéronome 28, verset 15. Alléluia. Il faut que tu comprennes. Dieu avec respect. Parce qu'il a dit, si tu obéis
Tu as bien entendu. Maintenant, si tu n'obéis pas. Hein? Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il a dit quoi? Mais si tu n'obéis point à la parole, à la voix de ton Dieu, Jésus. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu as vu? Donc si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si tu n'es pas obéissant à la voix de l'Éternel, il y a une malédiction. Bien-aimé, on doit obéir à Dieu pour éviter la malédiction. Amen. On doit avoir la crainte du Seigneur pour obéir à lui. Parce que si on n'a pas sa crainte, on ne peut pas. Si on n'a pas son amour, on ne peut pas. Bien-aimé, je pense qu'on va finir par là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va se tenir debout. On va dire merci au Seigneur pour la prédication. On va se tenir debout. Tu vas dire au Seigneur Jésus que tu as entendu. Tu as entendu ce soir. Il est venu te parler de l'obéissance. Qui n'a qu'à te donner la force pour l'obéir. Parce que c'est le Seigneur même qui nous donne la force pour être sanctifié. Alléluia. Amen. Qui te donne la force pour obéir à sa parole? Élève la voix. Seigneur, merci. Seigneur, donne-moi la force d'obéir à ta parole. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci, Jésus. Merci, papa. Seigneur, que cette parole soit scellée dans mon cœur. Éternel, que cette parole soit scellée dans mon cœur. Oh Jésus, tu n'as point changé. Tu es le même hier. Merci Président. Merci Dieu. Merci Dieu. Que ton nom soit béni sur la parole que tu nous as donnée en ce soir. Merci, afin que nous puissions obéir à ta parole. Merci, la crainte dans ton nom. Merci, l'amour dans ton nom. L'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Remplis-moi de ta crainte. Remplis-moi de ton obéissance. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bienvenue sur le thème de cette prière d'aujourd'hui, de ce soir. Alléluia. Amen. Enfin, passe maintenant aux annonces. Gloire à Jésus. Évangélisation. Demain encore, le Seigneur nous appelle à son œuvre. Excuse-moi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, c'est aujourd'hui, vient nous prendre marche? Bon, peut-être c'est sa première fois de venir. Est-ce qu'il y a des gens? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas te présenter. Qui t'a invité? Ah, d'accord. Alléluia. Alléluia. Papa, tu vas te présenter, tu vas nous donner ton nom. Comment tu as trouvé de ce moment? Charles, j'ai un peu de Dieu. Amen. Amen. C'est Fernando. Amen. J'étais fils avec vous hier. Alléluia. Donc aujourd'hui, je voulais faire plutôt avec vous. Amen. C'est amen. La sœur Sarah qui m'a invité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Comment tu as trouvé ce moment? Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te donne la force d'obéir à sa parole. Amen. Amen. Serviteur de Dieu, continue. Donc je disais évangélisation demain. Comme le Dieu vient de déclarer, de parler tout de suite dans l'enseignement, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Donc le Seigneur nous appelle encore à son œuvre. Gloire à Jésus. Amen. C'est toujours au Carrefour Garage. À Nolo. Carrefour Garage. Au poulet chaud. Alléluia. Ça y est, sur WhatsApp.
Dieu merci, mon est en jeûne et fruit. Amen. Qui n'est pas en jeûne, Dieu? Qui n'est pas en jeûne? Lève tes mains. Qui n'est pas en jeûne? Non, rattrapage de jeûne. Alléluia. Il ne savait pas. Il ne parle pas. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Comme tout le monde n'a pas WhatsApp, peut-être. Et puis vous aussi, vous n'aimez pas vous connecter. Parce que vous avez WhatsApp, mais vous ne partez pas dessus aussi. Alléluia. Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est qu'est-ce qu'on en a jeûné et prière. Deux jours. À pluie. Non, ça me dit venir à Dieu. Alléluia. C'est sur le discernement. Amen. On a besoin de discernement. C'est ça. Vous avez discernement de quoi? C'est qu'il vient te parler, tu ne sais pas avec quel esprit il parle. Il vient en témoigner, tu ne sais pas avec quel esprit il rend témoignage. Si tu n'as pas de discernement, tu ne vas pas voir les démons qui sont derrière quelqu'un. C'est ça. Si tu n'as pas de discernement, tu ne vas pas savoir que commerce là. Dieu dit pour ne pas faire. Ce n'est pas ton travail. Donc, il faut avoir l'esprit du discernement. Ce n'est pas dans tout enfant de Dieu rentre. Chacun a son poste. Donc, ces deux jours de jeûne et prière là, c'est pour avoir le discernement. Pour que le Seigneur ouvre notre yeux. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est un jeûne à finir. Normalement, c'est demain, ça finit. Si tu n'as pas fait, il faut rattraper. Voilà, donc, à rattraper. Alléluia, il n'y a jamais retard dans le jeûne. Le jeûne, on fait ça toujours. Donc si tu n'as pas fait là, rattrape. Pour que Dieu se remplisse de son discernement. Amen. Alléluia. Amen. Mais n'oublie pas, demain, il y a l'évangélisation. Pour le show. On sera là-bas. C'est là-bas, il garde les voitures là. Et puis il choisit toutes les filles d'Abidjan pour aller sortir à eux là-bas. Il y a les servants de Dieu là-bas, les serviteurs de Dieu là-bas. Alléluia. Amen. Nos mamans qui vont là, elles ont besoin de Jésus. Alléluia. Tous les passants qui sont là-bas ont besoin de Jésus. Le monde est rempli, les gens passent comme ça. Quand ils regardent, ça fait pitié. Mais à cause de toi, une âme sera sauvée. Amen. Alléluia. Donc, venons tous là-bas. Il ne faut pas être en retard. L'heure, c'est l'heure. Dieu n'est pas en retard. Donc, dès qu'on lui dit 17h, prends tes clics et vas-y. Si tu es là-bas, il faut dire qu'il n'y a pas personne. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas personne. Tu es la première personne. Assieds-toi, prie. Si tu ne vois pas personne, va évangéliser en même temps. Fais corps à corps. Tu es à l'heure. Jésus est avec toi en même temps. De temps que les autres arrivent. Alléluia. Amen. Il y a souvent d'autres qui appellent. Il n'y a personne, hein, mais tu es quelqu'un. Alléluia. Pas qu'il pense que tu es seul. Oh, le Saint-Esprit est toi. Mais tu dis à personne. Tu es rempli de feu. Gloire à Jésus. Amen. Donc quand tu arrives là, prie. Si tu commences. Maman, Jésus t'aime. Hein? Et puis on est déjà. Le temps que les autres arrivent, 17h. Alléluia. Amen. Ça me dit aussi, on est déjà. À cause de marché. On est arrivé là-bas. On dit, on ne presse pas ici, elle bâche. Hein? Faut pas en prendre micro. J'étais dessus comme ça. Allez-y, prends l'autorisation. On a compris. Mais vous pouvez faire corps à corps. Si ça aide, j'avais pas dit ça. Les gens tous de marcher en marcher. Parce que corps à corps est fort. Alléluia. Allez, Satan, là, il n'est pas trop intelligent. C'était mieux qu'ils disent, ne faites même pas l'évangélisation. On est rentré, on a voyé elle interphone. Allez, mégaphone. Donc toi qui as ton mégaphone aussi, viens à ça demain. Amen. Demain, évangélisation. Demain, évangélisation. Moi, je vais aller pour demain, là. Alléluia. Amen. Et la foi de Dieu est remplie de feu. Alléluia. L'ennemi ne dort pas. Nous aussi, il ne faut pas endormir. Toutes les occasions sont bonnes pour évangéliser. Ne laisse aucune occasion.
Alléluia. Amen. Sois fortifié. Amen. Sois fortifié. Amen. Que le Seigneur te donne les fruits à manger. Amen. Alléluia. Il faut penser à l'évangélisation. Fruits va venir en même temps. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Y a-t-il une autre information? Non. C'est tout. Hein. Alléluia. Donc, si tu n'as pas vu ton frère ici, ta soeur, la fois de lui dire demain, on s'en va dans l'église. Donc, toi aussi qui es derrière la caméra, là, le Seigneur t'appelle à l'évangélisation. Alléluia. Faut pas rester à la maison. Alléluia. Amen. L'onction qui est sur toi, là, Dieu a besoin de ça sur le terrain. Donc, viens à nous. Demain, on va aller limer les ténèbres. Quand ils vont te voir déjà, ils vont commencer à fuir. Tu es la lumière de Jésus. La Bible dit qu'une lumière n'est pas allumée, puis on ne la met pas sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire. Tu es la lumière de Jésus-Christ. Tu dois éclairer ta maison. Tu dois éclairer ton voisinage. Tu dois éclairer ta famille. Tu dois éclairer ta nation. Alléluia. Donc ne te néglige pas. Tu es une lumière de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Bien aimé, tu vas te tenir debout. Et l'homme de Dieu, Emmanuel, va prier pour la fin. Mets-toi, mets tes mains assises de recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Agneau de Dieu, Saint-Esprit, nous te glorifions et nous te bénissons. Car ce moment a été un moment conduit par le Seigneur, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la parole, Adonai, tu étais présent et tu as rempli chacun de nous par ta présence, par ton feu, par ta puissance et par ta sainteté. Saint-Esprit de Dieu, voici maintenant nous rentrons. Nous te prions au roi de gloire de couvrir chacun de nous par ton sang et par ton feu. Seigneur, l'ennemi viendra nous attaquer, nous lancer des flèches, des attaques. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois notre bouclier. Non, Jésus. Nous te prions, ô Dieu de grâce, de même, nous revêtir de par ton feu, de par ton sang, de par ta présence et de par ta puissance. Afin que là, partout où nous passerons, nous soyons, ô roi de gloire, des canaux pour détruire tous les œuvres. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main de grâce sur nous tout le long de cette nuit. Que nous soyons préservés de toute œuvre des ténèbres. Que nous soyons préservés de toute puissance et malice de Satan. Au nom de Jésus. Les Écritures déclarent que c'est lorsque encore les gens étaient en train de dormir que l'ennemi est venu semer l'ivraie. Nous te prions, Saint-Esprit, que tout ce que l'ennemi essaiera de faire, pour semer en nous l'ivraie, pour semer en nous la mort spirituelle, pour semer en nous l'envoûtement, pour semer en nous la maladie, pour semer en nous la lourdeur, pour semer en nous l'assoupissement, pour semer en nous la paresse, pour semer en nous, ô roi de gloire, tout ce qui n'est pas de toi. Que cela soit rendu nul et sans effet. Au nom de Jésus. Nous te prions, Père, que ta main puissante soit sur nos maisons, sur nos familles, que ta main puissante soit sur chacun de nous, et que nous soyons roi de gloire sous l'abri du Très-Haut. C'est dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Amen. Amen.